Bonjour à tous et bienvenue. Donc aujourd'hui on sera sur le serveur de Monsieur Rasuper en police. Le type de la patrouille sera une patrouille CSI. N'hésitez pas aussi à aller sur ma chaîne Twitch où de temps en temps je fais des lives ou des streams. Hein. Et donc je vous souhaite à tous une bonne vidéo et une bonne journée. Allez, je te laisse la 80. Non, à chaque fois c'est voilà 80, je nous refuse. Ah ben t'es chef de bord. Hein. Ah non. Ah si, regarde bien le document des patrouilles, t'es Là chef de bord. t'es le plus haut gradé, hein, c'est toi le chef de bord. Ah non, non, moi je suis conducteur. Ah non. Putain. Prise de service de la sublime, des sublimes services CSI, des effectifs à bord de deux de motos Yamaha FJ. Voilà, c'est passé à la radio. T'es sûr d'avoir fait sur la 80 ça? Ouais. Non parce que c'est bizarre, Oscar répond pas. Tu es actuellement à 180 km/h vecteur. Non, je suis à 150. Non, 180. Non, toi t'étais à 180 pour moi très bien. Non. Oscar Cécile. Grosse carte de CSI. Demande voir une autre patrouille RI s'ils ont bien reçu le message ou pas. Alpha de Cécile. Bon, église avec tout ça, diable. Transmettez Cécile. Vous avez reçu notre prise de service en Cécile? Ouais, affirmative, bonne prise de service. Bon service. Cette fois-ci, je vais essayer de pas faire que la moto elle est dans la flotte. De quoi? Cette fois-ci, je vais essayer de pas faire pour que la moto n'arrive pas dans la flotte. Oh, ça, il y a une chance sur deux d'office, il l'a fait tout à l'heure. Et il y a une chance sur deux, soit c'est moi, soit c'est toi aujourd'hui qui finis à la flotte. Pour ma part, les noirs ne savent pas nager, donc je ne peux pas aller à la flotte. Ça me rappelle, c'était, je crois, ah mince, je me suis trompé. C'était hier, où il y avait un véhicule CSI dans l'eau, non? Hier, j'ai pas pris mon service hier. Si, la banque. Star de RIP. Ah oui, c'est vrai. Transmettez. C'était le moteur en même temps, c'est un véhicule électrique, le moteur il s'est noyé en deux. Vient de placer un flash vitesse au niveau de l'acheteur de minerais. Il aura pu au moins t'électrocuter. Reçu, bon flash à vous. Il y en a plein qui veulent ma peau ici. Hein. T'inquiète pas, vendredi vous êtes pas obligé, parce qu'il y a vendredi, des si je m'arrête pas les examens de police, vous allez pas me voir pendant un an. Donc vous êtes pas obligé maintenant, vous l'avez annoncé hein, quand vous le souhaitez. Putain, Rayburn, je te jure, je stresse, j'arrête pas de stresser à mort, hein, monsieur. Eh, faut pas stresser. C'est marrant, toi, avec mon corps de Pokémon, le loot léger, je vais arriver à les 4, je vais caner. T'as vu les nouvelles Yamaha FJR 2017? Elles sont magnifiques. Impossible. J'ai vu maintenant que les gendarmes ont des T5, ils ont des T6. Pour les convois de banque. Les gendarmes, ils ont le budget. C'est des militaires. Sinon c'était calme avant que j'arrive. Quelques petits braquos mais pas grand chose. Ok.
Elle roule pas bizarrement la voiture de derrière. Si elle roule, elle roule sans les roues. User joined your channel. Ouais. Attends-le. Ouais. Sur le côté, la Mégane. Oscar de Rade. On arrive voir un véhicule garé en off-road d'une Golf 6 qui à notre arrivée vient de partir en refus d'obtempérer. On est actuellement dans les rues d'Union, Golf 6 canot noir, gris et blanche en direction ancien commissariat central dans les villes d'Union. C'est reçu, vous avez contact direct avec ERI, c'est reçu pour ERI et Oscar disponible encore. Je l'abandonne. C'est celui de ERI, pas de problème. Prends-le, on va juste mettre une essaye de faire revenir sur QG dépanneur si c'est possible et là ça va être parfait. Ouais, c'est reçu, donc là il s'y dirige totalement au niveau du QG dépanneur sur la route principale. Pardon? Suivant, ouais, c'est trop tard. C'est bon, vous retournez, vous mettez les mains contre le véhicule ici. D'accord. C'est d'impatience. Expliquez pourquoi vous vouliez le pneu cassé. Bah parce qu'en fait, la DIR me répondait pas, je comptais aller la voir à Union. Oscar de Ri. Transmettez Ri. Bon, quand même, pour tenir informé qu'on est du coup avec Patrouille Irène. Avec Patrouille Irène. Ouais, pas de soucis, oui, vous avez communication directe. Ouais. 7 prise de service du lieutenant Sanchez en service back, mise en service de la patrouille back en effectif, véhicule type Ford Focus banalisé bleu. Reçu, bonne patrouille à vous. D'accord, je réalise, du dangereux. Il a rien sur lui. Ok, vous savez que monsieur, quand vous roulez sans roue sur la deux fois des voies, c'est la mise en danger de la vie d'autrui. D'accord, oui. Ça amène à un contrôle total. Vous pouvez voir le véhicule, okay. Monsieur, s'il vous plaît. Pardon ? Vous pouvez ouvrir le véhicule, monsieur. Rien d'illégal ni dangereux à l'intérieur ? Non, rien, j'ai juste du cuivre. Ok. Il a un triangle et gilet jaune ou pas ? Oui. Vous pouvez le présenter ? Le triangle, je l'avais, mais en fait, je suis revenu sur l'île et je l'avais plus. J'avais plus. Il l'avait. D'accord. Bah tu vois, tu relèves une conduite dangereuse. Transmettez. Monsieur, je vais voir les comme conduite dangereuse à mon téléphone. Ce serait pour un quad couleur jaune à Lyon qui prend notre courant, qui voilà, qui fait des wheeling, ainsi que voilà, pour sur des trottoirs. Bon, on va envoyer une unité qui va pas l'interpeller tout de suite pour voir les faits. Nickel, je vous remercie. Et monsieur, faites attention la prochaine fois que je vois laissant les roues devant. J'envoie votre véhicule à la casse, on est bien d'accord. Vous avez entendu la communication, vous voulez que je la répète? Vous pouvez la répéter parce que je comprends rien, j'ai rien compris ce qu'il a dit. Alors donc du coup, il y a un quad jaune fluo au milieu d'Union qui s'amuse à faire des wheelings, à tourner autour de certaines personnes, à faire des dérapages, etc. C'est sûr. Ouais. Merci. Mais ouais, du coup, je crois pas comment c'était fait. Ça va être dangereux hein, parce que s'ils remontent sur l'eau, ils vont se manger le gros balisage. Il va être par passant nos fraudes là, à droite. Suis. Non, c'est pas su. Je dis, je pourrais pas constater les faits, il y a celle-ci qui bouge dessus actuellement. Reçu, pas de soucis. Oscar de Raid. Raid. Donc pour vous tenir au courant, on est actuellement toujours en refus d'obtempérer au niveau de la Golf qui est toujours en poursuite avec ERI, on monte direction nord de l'île depuis l'aéroport. Ouais, c'est reçu, vous avez besoin de renfort ERI ou vous le sentez bien ERI Alpha Dakar. D'accord, ça va passer en offre d'attention sur position ou ça va? Pour le moment ça va, c'est juste que le monsieur il a beaucoup envie de jouer, mais à part ça, ça va. Ouais bah vous jouez avec lui, ça va, vous avez le véhicule pour. On a et oui, on parce que ouais. Ouais, pas de soucis. Score de vac. Translété. Bon, celui-ci m'a gentiment laissé un individu. Nickel, pas de soucis. Contresens sur l'autoroute pour l'individu. Ouais bah c'est reçu, moi personnellement je vais partir en service pour voir si c'est balancé si en moto. Du coup dès que Oscar est disponible, vous restez derrière lui pour l'instant, dès que Oscar est disponible, il va venir le chercher. Je vais essayer de passer. C'est complètement malade. Des etc.
je dois réparer. Du coup, fin de service du brigadier rendu en sécurité publique et prise de service du brigadier rendu en service PAC. Petite bonbonne anti-crevaison. Mairie de Rennes. Scarte ici. Transmettez. Donc pour elle, l'individu vient de monter là deux fois de haut en contresens. Il vient de tourner direction Vanderville depuis la station service. Ouais, c'est reçu, on arrive. Enfin, on a eu un petit accident à cause des armes magiques, on arrive. Ouais, c'est reçu, on est actuellement dans les rues de Vanderville. Scarte ici. Air Hydrad. L'individu vient de prendre dans les dunes en off-road. Direction sud de l'île. Viper, les dunes. Oui, j'ai entendu. C'est Riderhead. Donc il a repris la route principale direction Waterford depuis Vanderville, les dunes. Ah, c'est reçu. Elle est pas mal celle-là. Aller sur ah, mais c'est pas possible. Leur camouflage noir, gris, blanc dans les rues de Costa del Mar, direction sud de l'île. C'est bien pris. Quelles patrouilles sont impliquées, s'il vous plaît? Actuellement impliquées Red et ERI. Suivez donc. Et CSI aussi, au cas où. Suivez donc, reste disponible les bacs et CSI en renfort. Sur Union Aligne au niveau du SFR si possible. 80. Ça sert tout au niveau du. C'est la ville de Waterford, l'individu prend en off-road vers le nord, direction la prison. Suivez, je vous laisse contact avec les patrouilles sur zone. C'est reçu. Deagle, je suis derrière toi. Deagle, je suis derrière toi. Ok, ça roule, je vais essayer de couper. C'est ici de Oscar. Transmettez. Vous rendez en urgence sur le SFR de Union. Alpha a besoin de renfort. T'es suivi de celle-ci? Ouais, c'est bien reçu dès que j'aurai retrouvé mon collègue. Gagnez Deagle de ce cas. Ouais, j'ai. Si vous pouvez retrouver votre collègue, s'il vous plaît. Retrouvez. Merci, vous partez en direction de Bakelfa, s'il vous plaît. On peut avoir plus d'infos, qu'est-ce qui se passe sur le SFR? Plus d'infos, bah, quelle fois besoin d'enfants sur blessure. Ouais, j'y vais. Bon, on y va. Oscar, disponible en 2 secondes. Je suis pour aider. C'est quoi ça, monsieur? C'est une DS4, ça? DS4, non? Ouais. Le match de vous? Maintenant 80. Sans problème.
là-bas. Oscar de CSI, il y a des coups de feu au niveau de Union, c'est normal? J'ai aucune information dessus. Pour formation de patrouille Eris, c'est patrouille Red qui a fait la sommation sur l'individu. Pour formation, le véhicule est fuyard, donc sur deux individus. Pardon, un individu interpellé, leur véhicule explosé, des individus interpellés par patrouille. C'est de là où il y a eu les sommations. Monsieur Cortez, c'est bien ça? C'est bien pris pour Oscar. Ah, c'est bon, parfait. Vous retournez sous le corps, si vous n'avez pas quelque chose à déclarer sur vous dans le véhicule? Non, il n'y a rien. Bien. Bien. Je me parle de manger de la tête. Et vous, monsieur, quelque chose à déclarer? Non. Un peu comme la région. Mais en fait, moi, je suis de la dire, si vous voulez. C'est un problème qu'on peut les détails. Dans le véhicule, il y a quoi? Moi, bah, je suis rien, que des balisons. Oui. Et c'est toujours bloqué là-bas. C'est toujours bloqué? Je sais pas, là, il y a eu un accident tout à l'heure. Non, c'est ok pour. Ok, merci. Ok. D'après les patrouilles de police, okay, monsieur était en contresens sur l'autoroute. Monsieur était en contresens? Oui. D'accord. Ok. Vous avez pas de chance. Oscar, c'est assis. Transmettez. On aurait besoin d'une unité sérigraphiée sur le parking d'Union, s'il vous plaît, pour un contrôle total. Suivi. Je vais être interpellé aussi, moi. Je vais t'interpeller aussi. Les agents. Non, vous êtes un passager. Monsieur les agents. On est sur un contrôle, monsieur, pour l'instant, donc je vous demande de circuler. On va vous appeler le 17, monsieur. Sur le procès verbal, vous allez recevoir. Il y aura deux noms dans le procès verbal. Le verbalisateur, moi, et l'agent constateur qui sera sur le PV. D'accord? Merci. On va attendre une unité de sécurité publique qui va venir vous prendre en charge. Vous avez besoin de faire appel à un médecin, ce que vous souhaitez? Non, franchement, ça va aller. Est-ce que vous avez faim? Est-ce que vous avez soif? Est-ce que vous avez faim? Est-ce que vous avez soif? Non. Bah, je passe sur terre. Je dois rester là, moi, ou je peux? Bah, oui. Ok. Restez là. Je sais pas. Ok. Je n'aime pas trop votre tombe, je vais rester calme, surtout votre collègue qui vient de faire une connerie. Enfin, moi je connais pas, je vais juste proposer un petit truc et tout. Je suis juste monté dans sa voiture il y a 10 minutes. Il y a le souci. Ouais. Mais du coup, le véhicule, vous allez. Je vais vous donner monsieur, vous allez me voir le véhicule. Pour finir. Et vous venez de fouiller le véhicule. Je n'ai pas fouillé le véhicule, j'ai fouillé vous. Bah, t'es pas, j'ai pas mon choix. Pourquoi vous avez le permis de port d'armes, monsieur? Ouais. Pour la démonter, moi je vais vous donner. Non, c'est bon. Je peux fermer mon véhicule quand même. Monsieur, est-ce que vous avez un quad? Non. Parce que moi je suis sûr que vous avez une code, vous me prenez pour un code depuis tout à l'heure. Vous avez fait du contresens avec son code. Avec votre code. J'ai pas de code, monsieur, je suis désolé. Ah, de toute façon, ah, bah, venez, vous allez me suivre, on va aller faire un petit tour au garage. Y'a pas de soucis. Moi je vous dis. Monsieur, où c'était près du véhicule? Si j'ai pas de quad, monsieur. Transmet. Donc je vous confirme bien pour ceci, l'individu a bien, bel et bien rangé son quad dans son garage. Donc, alors monsieur, on va faire court. Soit vous nous sortez votre quad, si vous le sortez pas et que je remarque que, on va dire au niveau gouvernemental, il est dans votre garage, c'est un billet d'avion. À quoi? C'est un billet d'avion, si vous voyez ce que je veux dire. Scar de Harry. Ah, je sais pas encore, là j'ai pas encore statué. Patrouille Oscar, patrouille Harry, transmetteur. Deux coups de ma part, on va à son l'hôpital, donc. Ah bah voilà, il y a un quad. Et pour l'instant, sur la course poursuite, donc les deux suspects ont été interpellés et pris en charge par patrouillade pour le moment. Et pour l'instant, vous avez un problème de corps vocal, il me semble, ça grésille beaucoup dans
Donc monsieur. Oui, c'était OK. Monsieur en contresens sur l'autoroute de Poix de Bois avec son pote qui est devant lui. Contresens. Oui, contresens de Poix de Bois avec le quad qui est devant. Ouais. Okay. C'est tout. Ouais. D'accord. On vous le laisse. Les droits ont été cités, monsieur. Oscar de Red. Contre Red indisponible pour deux contrôles totaux au niveau du commissaire. Bien pris, monsieur. C'est juste le contrôle. Contresens, ça reste. Contrôle total. Hein? Le contresens, c'est un contrôle total. Bah oui, c'est un conduite en sens inverse. Ah, où ça? Casse-toi. Il se barre où? Pour mon frère. Ah, il est là-bas. Monsieur, vous arrêtez. Bon bah vous avez aussi votre refus d'obtempérer. Ouais, par contre je trouve pas le contre sens inverse. Bah vous mettez de la mise en danger de la vie d'autrui. J'ai pas conduit en sens inverse là. Et monsieur, vous restez sur place déjà, vous arrêtez de courir. Les droits oui, les droits ont été cités à monsieur. Ouais, à 6h, pile, pétante. J'ai... Vous avez déjà le refus d'obtempérer, mangez avec moi s'il vous plaît monsieur. Oui monsieur. Oscar disponible pour contrôle total. Il y avait la... Je crois que c'était la vette qui est en course poursuite avec. Bon, voilà. On va écouter passer le manager, monsieur. Merci à vous aussi. Oh. Demande à Oscar de revenir pour qu'il reforme son véhicule. Oscar, c'est si. Transmet. De la morphine demi, s'il te plaît, il a oublié de fermer son véhicule. La son DS4 sur parking. Son véhicule a pas été pris en charge par les DP. Non, c'est le quad, il a laissé une DS4 ouverte. Sur le parking, tu peux faire un demi, s'il te plaît? Ah, c'est sûr. Service de patrouille Mike Bravo, un effectif à bord d'avion de type Alfa Romeo Julia Blanche. Si j'ai pas de patrouille. Merci. Reprise de patrouille de la patrouille CSI des effectifs dans deux motos FGR 3300. Oh, tu veux partir en bac? Oscar, ouais. De bac à Bravo. À l'ancienne. Pour vous informer que je vais être la plupart de mon temps sur la privée de bac alpha pour qu'il y en ait communication directe reçue. Tu veux. Ils vont être en opération les deux. Ah. Oh putain, pas ce flash vitesse encore. Hop là, flash vitesse, moi c'est les véhicules qui passent hein, que je veux contrôler. C'est quand même fou que toi tu peux pas acheter celle-ci là, la moto. S'il te plaît, je sais pas. Ou alors je l'ai acheté avant qu'il change de machin possible.
allez, on va contrôler le T5. Monsieur, venez à l'avant du véhicule, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur, Cécile Lexide. Donc, mon unité à autorité pour pouvoir fouiller toute personne sur l'île sans motif valable. Donc, est-ce que vous pouvez me présenter une pièce d'identité pour me conduire une carte grise, s'il vous plaît, monsieur. Rusco Jérôme. Ok, permis de voiture. Bien jour, c'est votre véhicule. Ok. Vous pouvez mettre les mains sur le capot avant du véhicule, monsieur, s'il vous plaît. Rien d'illégal ni dangereux sur vous. Non, c'est rien. Illégal. Un triangle, gilet jaune, ça vous avez dans ce votre sac, donc impeccable. Ok, tout est bon pour vous, monsieur, pour reprendre la route et circuler. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Tu t'es mangé le mur. Ah ouais, mais toi d'ailleurs tu m'enfonçais. Je demande un dédommagement. Tu m'enfonçais dans ta l'heure. Je subis un dégât moral. Si tu veux du dédommagement, j'ai une balle de calibre 50 si tu veux. Tu l'as pas, c'est pas vrai. Putain, j'avais envie de prendre la chip 115 tout à l'heure dans le shop. Je me suis dit, c'est bon, aujourd'hui je vais faire mon officier. Bon, j'allais m'habiller en officier, je me suis dit bon, on va se rappeler le bon vieux temps de Métropolis. Mais après j'ai oublié que j'allais me faire soulever, donc j'ai abandonné. Ah, il y a un véhicule qui arrive bizarrement, non? Flasher. Bon, on rattrape, j'ai pas eu le temps de flasher. Bah, il y a une AKR là. J'ai percuté maintenant. Tu veux t'es blessé ou pas? La moto elle est retournée. Je vais essayer de récupérer la voiture devant. Vous coupez le moteur, vous descendez du véhicule, vous allez à l'avant s'il vous plaît. Bonjour monsieur. Ouais, alors, j'ai interpellé j'ai eu un accrochage avec la guerre arrière. Du coup, il m'a dit qu'il était pas. Il était au moins à 200, il faisait une course c'est avec la Lambo. Enfin, la voiture qui peut dépasser. Bah, il n'y a rien prouvé pour ça. Okay. Bonjour monsieur, Cécile Lexide, donc mon unité autorité pour fouiller toute personne sur l'île sans motif valable. Donc, est-ce que vous pouvez déjà me présenter une pièce d'identité, un permis de conduire, une carte grise, s'il vous plaît, monsieur. Hop. Tenez. Est-ce que vous savez si monsieur Kopassi a déjà été envoyé en prison pour l'incapacité de payer? Pas eu d'information. Sorry. User in your channel, timed out. Ok, vous pouvez mettre les mains sur le capot et ne pas bouger monsieur, j'ai effectué une petite fouille. Rien d'illégal ni de dangereux sur vous? Non. Il y a une arme à feu dans votre sac monsieur, vous avez un permis de port d'armes pour ça? Bien sûr, il est dans le calepin tous mes permis que je vous ai passés. Par l'armée, il est bien à jour. Ok. Vous étiez à combien, monsieur Tezmel? Je sais pas, 220, truc comme ça. Je pense que je vous ai pas flashé, monsieur Mel. Vous pouvez remonter dans le véhicule et circuler, je vous souhaite une bonne journée. User in your channel timed out.
Ouais, donc je disais, on n'a rien pour prouver qu'ils étaient à cette vitesse-là. T'es où? Je suis au coin là. Chez les DP, j'ai la gare à l'arrière. Ouais, ça marche, j'arrive. User left your channel. Qui perd son temps, c'est pas moi. Elle va faire fouiller. Il est déjà fouillé, il a rien. Toujours dans le calepin où je t'ai donné mon permis. On en fait quoi avec ça? Bah, on laisse partir, t'as rien qui pour oublier la vitesse. Changer de point. Putain, mais j'ai percuté d'une violence, Viper. T'es encore en vie? Toujours en vie. Rien ne tue un Africain, même la bouffe périmée ne tue pas un Africain. Donc j'espère que cette vidéo vous a bien plu. Hein, si elle vous a plu, vous pouvez lâcher un petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Hein. Vous pouvez aussi aller sur ma chaîne Twitch. Le lien figure donc dans la description. Au-dessus, il y a quelques vidéos. Et bien sûr, de temps en temps, je suis en live dessus aussi. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand vous avez regardé cette vidéo.